Allez, coucou tout le monde. Je vais attendre que tout le monde arrive. J'ai une petite mise au point à faire avec vous, puis je voudrais en discuter avec vous. Ça serait quand même assez sympathique. Et puis, les gens qui tomberont sur le replay, vous me répondrez dans les commentaires. Alors, juste pour vous avertir, on se retrouvera aussi là, après ce soir à 20h. Vous savez, la petite fille, j'avais fait un live avec ses parents qui doivent se faire opérer aux États-Unis. Je vous avais promis qu'on ferait un retour là-dessus. On va faire un retour, mais on va faire bien plus. On a quelque chose à vous annoncer tous ensemble pour dimanche, puisque on a décidé de participer encore plus aux choses. Donc on se retrouvera à 20h après en live. Par contre, je voulais vous parler. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que vous savez, le cerveau humain, c'est assez compliqué. Quand on tombe sur 5-6 commentaires, on pourrait se dire que c'est tout le monde qui a compris ça. Alors je voudrais savoir ce que vous avez compris. C'est super important qu'on puisse en parler ensemble. 2 minutes. Merci Sylvie pour tes petites étoiles, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je le dis tout le temps maintenant, enfin je remercie les gens, parce qu'en fait, dans la logique des choses, quand tu as appris la politesse, tu remercies les gens quand ils te donnent quelque chose. Et puis comme ça emmerde certaines personnes, alors plus ça les emmerde, plus ça me fait rire et plus je le dis. Je vous jure que c'est vrai. Je vois des lives, je suis tordu de rire. Tordu de rire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On a bien compris qu'il fallait qu'on avance tous ensemble. Hier, je vous ai fait un petit live. Les gens qui arriveront après, c'est pas grave, hein, mais n'hésitez pas à partager le live pour les gens qui viennent d'arriver, pour que ça puisse circuler, voir si tout le monde a bien compris les choses, parce que moi j'ai l'intime conviction qu'il y a urgence en la matière. Après, c'est peut-être que moi, je sais pas. Hier, j'ai fait un petit live pour dire, bon, regardez tout ce qui se passe, pour essayer d'expliquer à tout le monde et mettre les responsabilités sur les bonnes personnes par rapport aux augmentations et ce qui s'ensuit, bref. Et après, j'ai publié une petite liste avec des villes. Toutes les villes de France, il y a 270 points de rassemblement. Ces villes, en fait, eh ben, vous repreniez le mois de juillet de l'année dernière, eh bien, c'était là où il y avait tous les lieux de rassemblement et ce qui s'ensuit l'année dernière. Donc, avec l'équipe, on s'est fait chier, hein, quand même. Toute l'équipe s'est fait chier à reprendre toute cette liste, à enlever les dates, à enlever les heures, et puis on a marqué samedi 9h dessus. Parce qu'il y a plein de gens qui, et je pense qu'ils ont raison, qui exprime que commencer à 14h ou 15h, enfin, ça ne sert à rien. Rappelez-vous comment ça s'est passé, un exemple hein, parmi tant d'autres, au début des Gilets jaunes. Merci, alors je vais remercier les gens du coup. Merci Céline Lily, merci Marie, merci Daniel pour vos étoiles. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et là, je vois sur la toile, alors il y a peut-être des gens qui ont mal compris. Cette liste, elle vous appartient à vous. Elle appartient à tout le monde. Je ne suis pas du tout organisateur de quoi que ce soit. Mais j'entends tellement de gens sur la toile me dire, on voit tous ces messages, il ne se passe rien, ça bouge pas, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Avec l'équipe, on s'est dit quoi? On reprend la liste, on la publie, et puis tous les gens dans leur ville, dans leur village, ils s'accaparent de cette liste et ils organisent des choses eux-mêmes. Ils disent, bah tiens, oui, c'est vrai, il y avait ce point de rassemblement l'année dernière, bon bah c'est cool, il y a une liste qui circule. En fait, c'est mâcher le boulot pour tout le monde. Merci Catherine. C'est mâcher le boulot pour tout le monde, pour pouvoir se dire, bon, bah, ça nous permet de tous se rassembler un petit peu partout. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus faire 200 km pour pouvoir se déplacer, parce qu'on a bien compris que la thune, c'était un bordel. Merci Sabine et merci Sandrine, Millon. Je vais remercier les gens en allant. Vous allez voir, les trolls, ils ont horreur de ça. Et ça les esquinte, ils ont les poils qui s'irisent. Quand il y a quelqu'un qui vous donne 200 étoiles et que vous dites merci, ils ont les poils à chaque fois qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent. On a fait un truc terrible sur TikTok d'ailleurs, avant-hier, c'était assez rigolo. Toute la nuit, on s'est bien marré. Hein. Bref, merci Julie. Donc cette liste qui est sur Olive Olive 2, vous pouvez la retrouver, puis je crois que j'ai publié sur Olive Olive la page. Le but, c'était qu'elle tourne un petit peu partout en France, qu'il y ait une émergence, que chacun s'accapare en fait de ses dates et ce qui s'ensuit. D'ailleurs, cette liste, les gens peuvent la modifier, puisque vous pouvez la prendre, modifier. S'il y a des gens qui ont décidé de rajouter une ville ou un village, ou je prends l'exemple, admettons, à Toulouse, ils ont décidé que ça serait plus à cet endroit-là et que ça sera un autre endroit. Il y a aucun souci, ils peuvent la modifier, mais c'était pour dire quand est-ce qu'on recrée cette émergence. Quand est-ce, là, si on arrive à lancer 270 points de mobilisation sur toute la France, ça aurait été génial. Pas forcément pour faire des manifs, mais au moins que les gens puissent se retrouver dans la rue et qu'ils arrivent à parler entre eux et qu'ils arrivent de communiquer sur ce qu'ils vont faire, sur les actions qu'ils vont mener pour qu'on arrive à les communiquer en dehors des réseaux sociaux. J'avais l'impression que c'était ce que tout le monde avait exprimé, très sincèrement. Quand j'écoute tout le monde me dit, tout le monde me regarde, mais putain, il se passe rien, ça bouge pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les Français attendent de payer, avoir des factures de 4000 euros d'électricité pour bouger leur cul ou quoi? C'est ce que tous les gens me disent. C'est ce que tous les gens me disent. Et puis, il n'y a pas
que les problèmes énergétiques, il y a tous les autres problèmes qui se mettent ensemble, le nouveau protocole pour les enfants pour la rentrée scolaire, les formations, il manque 4000 professeurs, c'est quand même terrible, et ben on forme des gens qui n'ont jamais été profs en 5 jours, vous avez vu cette vidéo qui tourne partout, je l'ai publiée aussi, pareil pour le domaine médical, en fait, c'est agir aujourd'hui contre ce gouvernement, puisqu'ils sont en train de détruire toutes nos institutions. Ils sont en train de détruire la santé, ils sont en train de détruire l'éducation et ils sont en train de détruire tous les foyers français à travers tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. Est-ce qu'il faut vraiment attendre? Merci Xavier et merci Patricia et merci Brigitte. Je vous dis, les trolls, là, ils sont en train de trembler. J'adore les faire trembler. Parce que c'est assez rigolo. Alors les trolls, je vous dis, hein, c'est des gens que vous avez jamais vus dans la rue qui sont juste là pour nous casser les couilles. Et ils sont d'ailleurs à 99% macronistes, hein, souvent. Bref, c'était juste la petite aparté. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Les Anglais, ils ont publié le même genre de liste il y a quelques semaines. Tous les gens se sont retrouvés dans la rue. Ils se sont rassemblés dans plein de points de mobilisation. Ils se sont parlé. Et tous les jours, ça a avancé crescendo. Le but, c'est pas de se rassembler une journée, d'aller faire un de se rassembler une journée, de marcher pendant 4 heures et puis de rentrer à la maison. Macron, on a bien compris qu'ils s'en tapaient le cul de tout ça. Les manifestations, est-ce qu'ils servent à rien? Je ne pense pas. Ça nous permet de nous rassembler et de parler ensemble. Mais le but de ces listes, c'était que les gens puissent se rassembler, puissent discuter ensemble sur la suite à venir, en réseau, que des actions se mettent en place. Et c'est ce qui s'est passé. Nos amis anglais, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils arrivent à avancer dans ce sens-là. Est-ce qu'on attend vraiment que tout soit détruit, que les gens finissent dehors, que la classe moyenne devienne pauvre et que les pauvres finissent à la rue pour agir? On en est vraiment arrivé là? Chez nous, dans notre pays, sincèrement, est-ce qu'on en est vraiment arrivé là? Honnêtement. Non, parce que ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de voir qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. J'ai 4 personnes qui sont proches de moi, un petit peu partout en France, qui m'ont appelé pour me dire « Mais Olive, dans le fond, t'as pas tort de dire qu'il faut que les gens se rassemblent, mais qu'on crée cette émergence en France et qu'on se dise « Putain, qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise « Maintenant, ça suffit, on y va !» Merci Léliane, merci Simone. Mais m'ont dit « Olive, tu penses vraiment que ça sert à quelque chose? Ça ne marchera pas, les Français sont devenus complètement engourdis, complètement endormis. » Eh ben, je refuse de croire ça. Vous ne pouvez pas m'enlever mes convictions. Et mes amis qui m'ont appelé, je respecte totalement ce qu'ils m'ont dit. Je les respecte totalement. Mais je ne peux pas me permettre de penser une seule seconde qu'on ne peut pas créer une nouvelle émergence en France pour sauver nos valeurs, pour sauver notre pays, pour sauver nos enfants. J'ai envie que cette émergence se crée. J'ai envie que les gens se réunissent sincèrement du fond du cœur. Je le répète, en cassant toutes ces guerres de clivage, sincèrement, avec ses appartenances politiques, ses appartenances religieuses, j'en ai rien à foutre. J'irai marcher avec un mec qui a des convictions politiques, peu importe ses convictions politiques, je m'en fous. Le but, c'est qu'on avance ensemble. Je m'en fous de tout ça. Quand on est sorti il y a 4 ans, ton voisin, tu savais pas s'il avait voté gauche, droite, écolo, RN, machin. Et on a avancé ensemble. Et c'est ça qui était beau. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus les gens se connaissent, plus ils se critiquent, plus ils s'insultent, et plus il y a de l'ego à travers tout ça. Je vous donne un exemple très con. Je vous donne un exemple très con. Et je le mets sur la toile et je vais le laisser le live. Je le laisse pour que ça soit entendu. Mike Rambeau a fait une super émission avec une famille qui a besoin d'aide. On m'a parlé de cette famille à travers TikTok. Je ne savais pas que Mike Rambeau avait fait une vidéo sur Facebook. J'ai été voir du coup la vidéo, puisque le lendemain, on m'a dit « Ah mais Olive, Mike, on en a déjà parlé. Je ne vais pas faire une contre-émission sur lui, puisqu'il en a déjà parlé. » Donc j'ai publié son live, ce qui me paraît logique. Même si j'ai aucune honte, et Mike le sait. Mike, on a été proches, je l'ai aidé comme je pouvais à certains moments donnés. Il le sait, il le dira, c'est pas quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dit la vérité. Mais depuis un certain temps, j'avais remarqué sur sa page que la plupart des gens qui commentaient sur sa page, bah, j'en prenais plein la gueule pour pas un rond et ce qui s'ensuit. Donc, bah, je m'étais un petit peu écarté de tout ça. Parce que j'ai pas... Et puis voilà. Mais là, il fait un super live, une super émission. Bien sûr, j'ai partagé son live. J'en ai rien à foutre. Je crois que c'est le plus bel exemple que je peux donner aujourd'hui, en fait. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, bah, on peut avancer ensemble. Je voulais encore prouver hier. Je ne sais pas si Mike l'a vu ou pas. Bref, je m'en fiche. Et puis, je ne le fais pas pour qu'il le voit. Mais il fait une bonne émission, je la partage.
Voilà, tout simplement. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Est-ce que tout le monde est capable de ravaler son orgueil et son ego et son machin et son bidule? Je crois que je suis une des personnes avec une page qui a beaucoup de visibilité grâce à vous, sincèrement, qui partage le maximum de choses de plein de monde. Demain, quelqu'un qui me déteste, qui m'a insulté de tous les noms, il fait une super émission où il est sur un déplacement et il faut y donner de la visibilité. Mais bien sûr que je le partage. Je vais dire quoi? Ah ben non, je partage pas parce qu'en fait, le mec, il m'aime pas, il m'a insulté. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je m'en fous total. Ce que je veux, c'est qu'on avance. Pourquoi on continue de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux qui ne feront que diviser pour dire « Ah, Olive, Olive! Ah, mais quel gros con! Ah, Sébastien! Mais quel connard! Ah, Jean-Benjamin! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais putain, mais pourquoi vous comprenez pas ça, quoi? C'est quoi le problème? C'est Olive, Olive, c'est Sébastien, c'est Jean-Paul qui va augmenter les factures d'électricité, de gaz, qui a pris des directives pour former des enseignants en 5 jours parce que le gouvernement n'a pas été capable de faire son boulot ou tout ce qui va avec. Mais non, les responsables, c'est les décideurs. Les décideurs, vous comprenez ça, les décideurs? Quand est-ce qu'on va s'attaquer aux décideurs? Avant que les gens s'attaquent eux-mêmes entre citoyens. Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Quand est-ce qu'on va être tous ensemble? Quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette belle image de cette France qui est capable de se rassembler pour gagner un combat? Tout simplement. Quand est-ce qu'on va être capable de faire ça? Ou alors on va continuer à dire « Ah, je partage pas ça hein, parce que je l'aime pas. » Et puis lui, il m'aime pas. Alors je ne partage pas. Mais on a la maternelle. On est à la maternelle. C'est ça la résistance? Vous rigolez. Et je ne m'adresse pas à tout le monde en disant ça. Il y a plein de gens, je le vois là dans les commentaires. Il y a plein de gens qui le comprennent. Quand est-ce que les gens vont comprendre que les partis politiques ont été créés pour diviser tout le monde? Ça met les gens dans des cases. Vous comprenez ça? Et après, quand les gens apprennent à se connaître, ah oui, mais fais gaffe, lui, il est de gauche. Hein. Fais gaffe, lui, il est de droite. Ils ont créé tous ces partis politiques pour nous diviser, pour qu'on évite de se rassembler dans la rue, quand il y a un problème de taille à régler. Parce que si on se rassemble tous, qui n'a pas encore compris que la clé, elle est juste devant notre visage? Il suffit juste qu'on soit tous ensemble. Et si on arrive à faire ça, comme d'autres pays autour de nous, très très proches de nous, arrivent à le faire, ils finiront par gagner, tout simplement. Quand est-ce qu'on va être capable de faire ça? Merci pour les petites étoiles, Jackie. Ah, encore en PLS, les trolls macronistes, ils ont encore les poils qui chérissent. On vient de me redonner 2 euros. Oh, merde. Eh bien, soyez là sur le live de ce soir, à 19h, s'il vous plaît. Encore une bonne action pour cette petite fille qui doit se faire opérer aux États-Unis. Il leur fallait 70 000 euros. On a plein de nouvelles à vous annoncer et il y a un énorme événement, un très bel événement dimanche, où je vais me déplacer. Voilà à quoi servent les 2 euros. Par exemple, que je viens de toucher les petites étoiles. Où je vais me déplacer là-bas pour leur donner de la visibilité et en même temps pour aller leur faire encore un deuxième don. J'avais déjà fait un don de 100 euros grâce à vous. C'est la page, en fait, hein, qui contribue à tout ça. Eh bien, je vais aller refaire un deuxième don plus conséquent. Parce qu'il s'est passé un truc du tonnerre il y a 2 jours, en fait, sur TikTok. Il y a des trolls qui sont arrivés sur la live. J'ai pas fait de match de la soirée, rien du tout. Vous savez, les matchs TikTok, c'est les gens qui se combattent, puis les gens donnent des cadeaux. On était en live, tout simplement. Puis il y avait plein de trolls qui insultaient ce qu'ils sont su. Puis au bout d'un moment, il y a un abonné qui est arrivé, qui a dit « Bah tiens, Olive, pour faire fermer la gueule aux trolls, bah je te donne un cadeau et je te le donne de bon cœur. » Et les cadeaux représentent, oui, de l'argent. Je sais que quand on parle d'argent, c'est compliqué, ça part en couille dans tous les sens. Et du coup, tous les abonnés se sont mis à mettre des cadeaux pour faire chier les trolls. Et les trolls sont barrés. Et bah, grâce à tout ça, on va refaire un don supplémentaire. Puis je vais me redéplacer à 350 km d'ici aller-retour pour aller sur cet événement pour cette petite fille qui doit se faire opérer. Il y a quelque chose qui est prévu. Soyez là à 19h, s'il vous plaît. On sera en live en 19h sur les deux pages, sur Olive Olive 2 et Olive Olive la page. On va se redéplacer là-bas. Je referai un autre don pour ses parents. Et puis, il y a des gens formidables qui seront présents. Vous verrez ce qu'il y a de prévu. Je ne peux pas vous dire, sinon, il n'y a plus d'intérêt d'être sur le live tout à l'heure. Ben, vous voyez toutes ces choses-là, c'est des choses de la vie. Alors, s'il vous plaît, cette liste que j'ai publiée,
C'est pas la liste d'Olive Olive. C'est là où il y avait tous les points de rassemblement il y a un an. On remet en route, on remet pas en route. Plein de gens me diront, ouais, mais on a marre de faire que marcher. Eh ben, rassemblez-vous sur tous ces points de rassemblement. Partagez cette liste. Cette liste, elle est publiée sur ma page. Une fois que vous la prenez, que vous la republiez, vous, il n'y a pas marqué Olive, Olive dessus. C'est juste pour dire aux gens, ben voilà, on a tous capacité à se rassembler partout en France, même si vous n'avez pas d'argent pour pouvoir vous déplacer, parce que ça, je l'ai bien compris, pour pouvoir discuter ensemble de la suite des choses et créer l'émergence. Et il y a des gens qui vont avoir plein de bonnes idées. Ils vont dire, bah attendez, venez, on met ça comme action. Allez, on fait ça. Eh, quand les gilets jaunes sont sortis, personne ne savait ce qu'allait se passer 2 heures après. Personne. Personne ne le savait. Vous avez vu, ça enchaînait, enchaînait, enchaînait. Bon, eh bien, avec le recul, on comprend maintenant que le gouvernement, bah ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, il faut apprendre de nos erreurs. Mais rassemblez-vous. Ce n'est pas en restant dans nos appartements et dans nos maisons qu'on va arriver à changer les choses. Donc rassemblez-vous, il y a cette liste, partagez-la un petit peu partout, c'est votre liste. Et si vous voulez modifier des choses dedans, vous les modifiez. Non, c'est juste fait chier à faire le relevé, à le republier pour dire c'est possible. Tous les points de rassemblement, ben voilà, c'est fait. C'est un gros boulot. Hein. Ben, le boulot, il était déjà fait, il y avait juste à la reprendre et recentrer la liste. Et puis il y a aussi samedi 3 à Paris, à 14h, place de la Bourse. On se rencontrera tous là-bas, pour ceux qui sont sur Paris. Voilà, moi je sais, je peux pas vous dire autre chose. Sincèrement, je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, me dire qu'il faut se résigner et puis qu'il faut être individualiste et chacun se sauver et que chacun sauve sa famille, je ne suis pas capable de le faire. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Non. J'ai envie de rester proche du peuple. J'ai envie de rester avec le peuple. J'ai envie d'avancer, même avec des gens qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Par contre, s'ils sont par terre, je vais leur donner la main et je leur donnerai un coup de main. Toujours. Toujours. Donc, les gens qui ne savent rien faire d'autre que balancer de la critique, si vous voulez continuer la critique, vous avez le droit de le faire, mais faites-le contre les décideurs. Les décideurs. Parce que c'est eux qui nous mettent dans la merde aujourd'hui. Ok ? Donc on a un problème à régler. Faites les choses dans ce sens-là. Et créez cette émergence. La liste, allez là. Vous pouvez tous la publier. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de se rencontrer, mais qui disent, bah, je ne sais pas où aller. Et bah, publiez cette liste. Allez sur ma page, Olive Olive 2, et sur ma page là. Publiez-la partout. Et puis parlez-en. Puis les gens qui se rendront à ces points de rendez-vous, partout en France, bah essayez d'amener 2-3 personnes à chaque fois avec vous. Ça serait l'intelligence. Et il y aura le 10 septembre tout à fait à Paris. Mais j'en ai parlé dans mes lives. Hein. Je ne suis ni organisateur, je fais juste un relais d'information. Il y a une date qui est clore, le 10 septembre à Paris. J'en ai parlé sur 5-6 lives déjà. Je me refuserai toujours, même si après, derrière, souvent, j'en ai pris plein la gueule. Je ne suis pas en train de dire le 10 aller à Paris, je suis en train de dire il y a un événement et ceux qui ont envie d'y aller, ils y vont. Tout simplement. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne pourra pas me reprocher de ne pas en avoir parlé. Ça fait déjà 4-5 jours que j'en parle. Parce que si c'est pour en parler le 9, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Hein ? Donc ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Je parle de beaucoup de choses. Et je vais continuer l'entraide et je vais continuer tout ce que je suis en train de faire. On se retrouve à 19h, parce que j'ai le live à préparer, donc je vous laisse. Je vous embrasse, soyez forts, soyez unis, s'il vous plaît, putain. Prouvez à ce gouvernement qu'on est moins con qu'eux et qu'on rentre pas dans leur doctrine et être capable, deux humains qui s'aiment pas, je vous le dis, hein, deux humains qui s'aiment pas et qui sont capables de se dire, de se regarder droit dans les yeux et de se dire, écoute, pour le bien commun, on va avancer ensemble. Je crois que c'est la plus belle des choses. La plus belle des choses et la plus belle des formes d'intelligence. Retenez bien ça, sincèrement. Je pense que c'est la plus belle des choses et la plus grande forme d'intelligence. D'être capable d'avancer ensemble sans avoir de lien d'affinité, en se disant, ouais, mais on a tous nos trucs dans la tête, on a tous dit des conneries, tous fait des erreurs. Écoutez, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Je vous embrasse, on se retrouve ce soir à 19h. Et j'espère que vous serez présents et j'espère que vous partagerez énormément le live de 19h. Parce que pour cette petite fille, plus il y aura de visibilité et plus il y aura de monde sur ce qui est prévu dimanche pour elle. Et ça sera vraiment bénéfique. En fait, tout simplement, je vous demande juste d'être présent et de partager le live de 19h pour sauver une petite fille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Je peux rien vous dire d'autre. À tout à l'heure.